Hier, nous avons fait une visite d'inspection, nous découvrons qu'un côté qui n'est pas approprié. Qui n'est pas approprié ni pour faire l'école, ni pour le centre d'examen. Et le ministère prend une décision pour ça. Donc, nous voulons assurer la population que nous avons fait tout ce possible pour que le centre d'examen, nous parlons retenu pour l'examen baccalauréat, c'est espace qui permette de manière appropriée nous mesurer la performance élève. Dans la conversation avec Timoun Yotou, il y a plein. Et son dossier ministère pourra analyser tout de suite. Parce que ce n'est pas normal pour un parent faire sacrifice, pour un élève faire sacrifice, pour qu'au dernier moment, l'argent fait que le pas passer épreuve ça. N'a pas annoncé solution pour ça. Naturellement, concertation tout avec dialogue nous supposons faire avec le secteur privé qui investit dans l'école et tout, pour que son solution gagnant-gagnant et que Timoun Yo pas perdu un examen parce que n'a pas gagné l'argent. C'est ça que je voulais dire pour l'examen 9e année fondamentale qui pour le ministère son vrai succès. Malgré quelques petits incidents nous repérés, malgré peut-être te gagner, nous avons dit quelques volontés pour créer confusion avec une faux vidéo qui a circulé sous examen. Naturellement, quel que soit le moment de violence qui a été fait, il est condamnable, mais pas aucun incident comme ça qui est passé dans l'examen du 20 au 22 juin.